Eh bien, salut à tous les amis et bienvenue dans cet épisode numéro 2 du Avez-vous déjà vu et pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que t'as supprimé mon cadre. Ah oui, mais je l'ai supprimé, mais c'est pour une bonne raison. La plupart des gens nous ont dit, oui, on voit rien, c'est nul, ça sert à rien, donc je l'ai enlevé, quoi. Non, mais c'est bon. Ouais, tu vas pas faire la tête pour ça. Enfin bref, ce n'est pas le sujet du jour, les amis. Nous sommes partis pour un épisode numéro 2 sur la map Strike Zone et j'ai envie de dire, Jean-Guy, envoie. Alors les amis, sur cette map, nous sommes dans un stade, et qui dit stade dit rencontre sportive, mais bien évidemment que non. Qui dit stade dit bouffe, c'est pour ça que tu retrouves une dizaine de stands, et qui dit stade dit bière. C'est pour ça que tu retrouves aussi de la bière, bien évidemment, hein, et par grosse quantité. Je vous présente aussi le petit bar, le Big Eaters, qui est situé au milieu du stade, hein, bien évidemment, mais il s'y passe des choses vraiment bizarres. C'est-à-dire que, il y a une télé qui était déjà cassée, je me suis dit je vais pouvoir casser la deuxième qui est en état de fonctionnement, eh bien non. Elle est incassable. Faudrait me donner l'adresse du magasin où vous avez chopé cette télé parce que moi j'ai eu quelques soucis récemment là. Et excusez-moi, les carreaux sont géniales, mais vraiment géniales. C'est-à-dire que je suis arrivé avec mon arme, j'ai complètement plombé le carreau derrière, on va dire. Mais comme dirait notre ami Carglass, eh bien en me retournant et regardant de l'autre côté, le résultat est presque invisible. Enfin, carrément invisible. Et ça marche avec tous les carreaux qui sont situés au niveau du bar. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait le mec, il a investi dans des carreaux super. C'est génial. Et la saucisse là, la petite saucisse de la baraque à frites, elle vous dit pas quelque chose parce qu'elle est marquée quand même world famous, hein, elle est connue dans le monde entier. Moi je la connais pas. Et puis dans cette baraque à frites, je voudrais pas dire, il y a un petit souci quand même. Je veux dire, bon, ils font des frites, des saucisses, et il n'y a pas de friteuse. Comment ça se passe? C'est-à-dire, ils font les frites à la main? Peut-être pour ça qu'il y a un sourire sur la boîte en fait, ils se foutent de votre gueule. Il est où le sel? Putain, mais il est où le sel? Ah, il est là. Il est là. Ah bah, je l'ai trouvé. Il est là. Excusez-moi, quelle est l'utilité de toutes ces boîtes, hein? Ils en ont empilé des millions sur toute la map. C'est quoi? C'est des Colissimo qui sont pas arrivés à bonne destination? Je sais pas, il y a quelque chose. Non mais, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces boîtes? Attendez, cette forme, oui! Eh bien oui, ils mettent des cartons de bière. C'est pour ça qu'ils ont autant de bière, en fait. Pff, t'as vraiment l'esprit mal placé. Et sur cette map, c'est hyper dangereux parce qu'il pleut du verre. Ah non mais je vous assure, hein, j'ai regardé un petit peu comment ça se passe et tout, il pleut vraiment des bouts de verre. Alors faites attention à vous s'il vous plaît quand vous passez en dessous ce petit Porsche là, faut faire très attention. Et puis j'ai oublié de vous dire, qui dit stade dit trophée. Regardez, en 2012 on a eu le meilleur joueur première place. Et la même année on a eu le meilleur joueur première place. C'est-à-dire que la même année on a eu deux premières places. Bravo l'incohérence. Tu sais quoi, tu m'as énervé, je fais tout péter. Voilà. Comme ça c'est fait. Tu vois, ton avez-vous déjà vu, il est fini. J'ai tout pété ta map. Ah ouais, non mais ça c'est pas un problème. Comment ça c'est pas un problème? Ah oui, non mais t'as beau faire la tête et me péter toute la map, on va reprendre, mais cette fois sur la nouvelle explosée. Ah merde, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Bon, cette bombe est si destructrice qu'elle nous a tué notre ami la saucisse. Hein. Franchement, paix à son âme. Oh non mon dieu. Ah, c'est de ta faute. Hein. Et puis je voudrais pas dire, mais tout à l'heure on parlait du verre. Il pleuvait du verre, hein. Comme je vous ai dit, maintenant il pleut du feu. Ah oui, c'est quand même assez fort, je sais pas comment c'est possible, mais là il pleut du feu. Feu qui est lui-même pas très dangereux, parce que tu vois, je peux m'allonger dans le feu tel un fakir. Ah non, les fakirs c'est sur des clous, zut. Eh bien en tout cas, je ne meurs pas, voilà. Sauf, voilà, quand il y a un adversaire. Excusez-moi, c'est combien de mégatonnes une Moab? Parce que les coupes sont encore debout alors que tout est pété, hein. Pourquoi tu me tires dessus? Attends toi. Merde, ils ont même pété la terrasse du bar. Oh non, ça c'est dégueulasse quand même. C'est vraiment dégueu, ça vaut plus le coup de vivre, hein. Moi je me tue. En parlant de mort, dis donc, toi t'es mort bizarrement, hein. T'es en train de dormir? En train de chier? Ou t'es vraiment mort? D'ailleurs, ça me rappelle tous tes collègues que j'ai vus précédemment. Tiens, Jean-Guy, balance la petite musique et la petite compile. Ouais, c'est ce CD là, vas-y, mets-le. Ah, j'en ai vu vraiment partout. La bière? Oh, regarde celui-là. Oh mon dieu, mais c'est pas possible.
C'est quoi ces positions à la con? Non, mais les mecs ils font du breakdance quoi. N'importe quoi le chien. Rex, oui, regardez-moi. Pisse sur le monsieur. C'est bien mon chien, c'est bien. C'est un bon chien ça. Oui, vas-y, termine. Oui, vas-y. Oui, c'est bien mon chien, c'est bien. C'est bien, c'est un bon chien ça. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez la retrouver sur sa chaîne, Le Monde du Rasta. N'oubliez pas de voter pour l'une des deux maps qui se trouvent à l'écran. Pardon, excusez-moi, mais en fait, vous êtes qui? Personne. Non mais vous foutez de moi ou quoi? Vous jouez avec mon micro et vous venez dans ma vidéo? Non mais c'est quoi ça? Dégagez de là! Dégagez tout de suite! Et surtout, mettez un pouce vert et partagez la vidéo. En fait, ça nous fait de la pub. Non mais attendez, ça c'est des choses qui se disent pas! Jean-Guy, tu me coupes la vidéo tout de suite là, tu censures.